Salut à toutes et à tous, c'est les vacances et traditionnellement pendant les vacances, je lève un petit peu le pied sur les vidéos. Aujourd'hui, à la demande populaire, je voulais revenir sur cette imprimante, c'est la Creality K1C, donc la version améliorée de la K1. Alors cette imprimante, sachant qu'elle était très très proche de la Creality K1, j'avais décidé de ne pas en faire de vidéo, simplement parce que j'avais pas grand chose à dire dessus. Mais vous avez été quand même assez nombreux à me demander pourquoi acheter cette imprimante plutôt que la K1, parce que, ben, contre toute attente, la K1 est toujours en vente en même temps que cette K1C, et je pense qu'il est quand même utile de clarifier un petit peu les choses par rapport à cette K1C. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi, à l'heure actuelle, c'est cette imprimante qu'il faut privilégier plutôt que la K1, puisque pour moi, il n'y a plus de raison même de vendre cette K1 par rapport à cette K1C. La première raison pour moi, c'est la présence nativement de la webcam dans l'imprimante. Donc ici, ce n'est plus une option, vous avez la caméra directement dans l'imprimante. Sachant que cette caméra a été vendue une quinzaine d'euros, ben ça fait déjà 15 euros à ne pas remettre sur votre imprimante. Il y a d'autres raisons à trouver au niveau de la tête d'impression. La première, c'est la buse donc Unicorn de chez Creality, qui est un système de buse qui a été mis maintenant sur les nouvelles K1 Max. Donc ça veut dire que si vous achetez une K1 Max parce que vous avez besoin d'un volume d'impression plus grand, vous avez ce nouveau type de buse. C'est une buse qui intègre non seulement évidemment la buse, mais aussi le heat break. Ça permet d'éviter d'avoir des fuites au niveau de la tête d'impression. Donc c'est toujours sympa, surtout si vous débutez, c'est plus facile de changer votre buse. En termes de coût, ça ne présente pas un grand surcoût par rapport à d'autres buses. Donc franchement, ça vaut la peine. Donc vous verrez, les buses se trouvent à environ 7-8 euros. C'est vraiment pas volé. Un autre changement au niveau de la tête d'impression, c'est le ventilateur frontal ici, qui est maintenant équilibré. Donc si vous regardez de près le ventilateur, il y a un petit trou qui sert à l'équilibrage du ventilateur. Ça permet de réduire les vibrations pendant l'impression, donc lorsqu'il tourne. Ça va théoriquement améliorer la qualité d'impression et surtout diminuer les vibrations et donc le bruit entendu lors de l'impression. Bon, par contre, en termes de bruit, n'espérez pas non plus un miracle, cette imprimante est toujours aussi bruyante. Un autre petit changement qui fait aussi plaisir, c'est la fermeture de porte qui est maintenant entièrement silencieuse et surtout qui ne claque plus. Donc ça, c'est un petit détail, mais pour moi qui a son importance. Alors à l'intérieur, il y a d'autres petites choses qui font la différence et je vous propose de regarder ça ensemble plus en détail. Alors le premier détail qui a vraiment son importance, c'est ceci. C'est un changement du diamètre des poulies qui entraîne donc les courroies A et B. Alors pourquoi Creality a décidé de mettre des poulies plus petites? Simplement parce que ça permet de réduire les VFA, donc c'est un phénomène que j'avais particulièrement rencontré sur la K1 que j'avais testé. Ces VFA, ce sont donc des défauts visuels, donc au niveau des surfaces planes d'un objet ou des surfaces courbées, qui se remarquaient vraiment très fort sur les impressions à basse vitesse sur la Creality K1. Avec ces plus petites poulies, on n'a pas supprimé totalement le phénomène, mais il est grandement diminué. Attention à ne pas confondre les VFA avec ceci, puisque ceci c'est juste un problème de résolution du modèle de base. Donc la différence c'est quoi? C'est qu'ici c'est visible absolument partout, sur toute la surface du modèle, sans aucune différence. Tandis que les VFA, ça se présente uniquement à certains endroits. Et voilà, en comparaison, les poulies qui sont utilisées sur la K1 Max, donc qui sont exactement les mêmes que celles qui étaient utilisées sur la K1 précédemment. Donc sachez que les nouvelles K1 Max sont toujours fournies avec cette poulie plus grande que celle de la K1C. Autre petite attention du détail, c'est ceci en dessous du plateau. Je sais pas si vous le voyez bien à la vidéo, mais le revêtement magnétique qui est normalement sur le plateau est maintenant recouvert d'une surface qui empêche la présence de griffes et est plus dur que précédemment. Donc ça permettra d'éviter d'incruster du filament dedans et ça permettra d'éviter les griffes qui sont pas toujours très esthétiques. Dernière petite chose au niveau du plateau, c'est la présence de cette brosse qui n'était pas là avant, puisque avant, pour nettoyer la buse, l'imprimante grattait simplement la buse sur le plateau. Maintenant, vous avez cette brosse qui est donc nettement plus propre et ça permet d'éviter de rayer votre plateau. Donc c'est assez sympa aussi. Dans les petits accessoires supplémentaires, on a un filtre à charbon actif qui est fourni. Alors quand je vois le filtre à charbon actif, à mon avis, il doit pas être efficace très très longtemps. Donc c'est bien pour la tension. Mais sachez surtout que c'est un consommable et que ça se change régulièrement. Regardez aussi éventuellement s'il n'existe pas des alternatives à ce petit filtre, probablement moins cher et plus efficace que ceci. Donc encore une fois, je salue l'attention de Creality de fournir ceci, mais sachez que ce n'est pas franchement suffisant si vous voulez imprimer régulièrement de l'ABS et de l'ASA. Si par contre vous imprimez principalement du PLA et du PETG, ceci n'est même pas nécessaire. Et allez, je vous l'ai dit, sur ce modèle, ce sont les petits détails qui font la différence. Et ici, un autre petit détail qui fait vraiment la différence, c'est les pieds.
Alors les pieds, il faut savoir que sur la K1, ils se détachent du reste du caisson, donc ça veut dire que lorsque vous manipulez votre imprimante, les pieds ont tendance à se décrocher, et c'est parfois embêtant, tandis que ici, voilà, les pieds sont vissés, et il n'y a vraiment pas moyen de les arracher. Donc ça, encore un petit point supplémentaire pour la qualité de vie au quotidien. Et enfin, le dernier détail, sachez que maintenant, il y a enfin la possibilité de mettre sur le côté le support de bobine. Donc pour ça, vous devez imprimer un modèle qui est fourni sur la carte SD directement dans l'imprimante. Vous l'imprimez, vous avez les vis qui permettent de changer donc ces vis-ci, ces trois vis-là. Une, deux, trois. Vous les remplacez par des vis qui sont fournies avec et vous pouvez mettre ce support comme ceci latéralement. Les entrailles de la bête n'ont pas évolué puisque vous avez toujours la carte mère de Creality qui se situe ici. Celle-ci a été fiabilisée par rapport aux premières qui sont sorties. Vous avez toujours un petit ventilateur qui souffle directement dessus. Vous avez évidemment l'alimentation et vous avez le tendeur de courroie pour les courroies Z. Et enfin, et encore heureux, vous avez toujours la possibilité de router cette imprimante pour pouvoir la personnaliser un peu plus. D'ailleurs, je vous envoie vers le guide que j'avais fait qui est toujours valable. Sinon, pour le reste, en termes de performance, bruit et consommation, on est strictement identique à la K1. À ce niveau-là, ce sont vraiment les mêmes machines, il n'y a aucune différence. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour et normalement, je n'ai rien oublié, sauf une chose qui me paraissait tellement logique que je ne l'ai pas dite, c'est que cette imprimante, elle est, grâce à sa nouvelle buse, capable d'imprimer du filament chargé de carbone sans user la buse, puisque c'est une buse en acier trempé renforcé, donc vous n'aurez aucun problème à ce niveau-là. C'est un peu ce qui fait son nom, puisque K1C veut dire carbone, évidemment. Donc voilà, c'est pour la petite histoire, comme ça vous savez. Alors si j'ai oublié d'autres choses, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, ça permettra à d'autres qui regardent cette vidéo d'avoir d'autres éléments. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais vous avez apprécié la vidéo, partagez-la aussi, ben, voilà, si vous connaissez des gens qui cherchent une nouvelle imprimante 3D et qui s'intéressent à la K1, indiquez-leur cette vidéo donc. Donc en conclusion, pour moi, si vous voulez acheter une K1 maintenant, privilégiez cette K1C. Maintenant, si vous êtes prêt à attendre et si vous êtes prêt à mettre un peu plus, sachez qu'il y a la série K2 qui devrait arriver avec notamment la K2+, ça va commencer par là, qui est donc une imprimante 3D qui dispose d'un volume d'impression qui est plus grand et avec un chargeur de 4 à jusqu'à 8 bobines normalement pour imprimer en plusieurs couleurs. Donc évidemment, ça a été annoncé, ça a été présenté par Creality. Le prix d'annonce est d'environ 1 500 €, donc c'est pas donné évidemment. Cette imprimante-ci par contre, elle se trouve à 450 €. Vous regardez en description, il y a les liens, il y a notamment les bons de réduction qui permettent de l'avoir à ce prix-là. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien, ciao.